On m'a demandé plusieurs fois en combien de temps je pouvais tourner un clip. Alors, en combien de temps tu peux tourner un clip, tout va dépendre concrètement de ce que tu as à tourner. Mais dans cette vidéo, je voudrais te parler concrètement de comment j'ai pu tourner un clip en 4 heures. Alors, en gros, ça va être entre 4 heures, 4 heures et demie grand max. Mais là, sur celui-là, c'est vraiment en 4 heures. Alors, évidemment, quand je te dis en 4 heures, ça va être le tournage plus le montage. Alors là, tu vas dire, ouais, mais comment il fait pour pouvoir faire un tournage et un montage en 4 heures? Puisqu'il y en a, je sais que certains montent même en 4 heures, ou font un tournage qu'en 4 heures. Alors comment il arrive, lui, à faire 4 heures en tournage plus montage? Je vais te montrer pas mal de choses, donc reste bien jusqu'au bout de cette vidéo. Tu vas voir, je vais décortiquer un clip que j'ai tourné. Ce clip-là, c'est un clip d'un artiste qui s'appelle Marek, donc c'est un artiste qui est en Belgique. C'est un featuring avec des rappeurs d'ici, du 06, donc Jason Voorhees et Brabos. Et donc tu vas voir qu'en fait, ce clip-là, je l'ai tourné réellement en 1 heure et demie, puisque j'ai tourné sur des spots qui sont juste ici, à côté donc de là où je suis exactement aujourd'hui. Donc ici, c'est mes bureaux, et donc juste à côté, juste devant, là en fait, j'ai des lieux où je peux faire des tournages. Alors évidemment, là, dans cette vidéo, je te décortique un clip en 4 heures parce que j'ai des lieux qui sont juste devant, mais tu verras que toi aussi, si tu n'as pas de lieu avec un bureau, tu vas pouvoir trouver des lieux juste à côté de chez toi et tu verras que si tu as l'habitude de les exploiter, tu vas pouvoir tourner un clip assez rapidement en tournage et donc ensuite forcément en montage, donc faire une V1 en 2 heures, donc d'un montage. Et c'est pour ça que je te dis qu'il va être en 4 heures et tu vas voir qu'on va vraiment tout décortiquer. Alors dans ce clip, il y a 3 lieux, mais les 3 lieux sont en fait des lieux qui sont au même endroit. Alors c'est très simple puisqu'ils sont juste ici devant, j'ai juste à sortir de la porte et aller juste devant. Donc c'est un petit peu l'intérêt aussi de cet endroit-là, mais comme je te disais encore une fois, tu vas avoir des lieux qui sont souvent à côté de chez toi ou à quelques mètres. Et donc en gros, ça va être comment tu vas les exploiter. Alors là, j'ai l'habitude de les exploiter plutôt de nuit parce que de jour, c'est pas très beau. Et je vais justement te les montrer tout de suite. Donc c'est juste devant mon bureau. Alors en gros, tu as donc ce lieu-là où on a tourné, où j'ai rajouté 2 néons. Ici et ici, donc tu vois, deux jours c'est pas la même chose. Là, ici, on a donc ce panneau publicitaire où j'ai rajouté le stroboscope et le reste. Et ensuite, le plan, donc où c'était avec la lumière rouge, c'était ici. Le plan à plusieurs, donc avec les néons, c'était là. Et tu vois qu'en fait, j'ai utilisé vraiment que deux lieux. Et là, très prochainement, j'utiliserai, je pense, cette partie-là. Donc tu vois, l'intérêt de tout ça, ça va être que si tu as deux lieux qui sont les uns à côté des autres, tu auras juste à déplacer tes lumières et tu changeras directement de spot alors qu'en fait tu seras juste à côté. Alors quel matériel j'ai utilisé pour ce clip-là? Alors c'est très simple puisque j'ai tourné donc comme d'habitude avec mon Panasonic GH5 et donc la plupart des plans ont été faits au 10 mm SLR Magic et parce que en fait c'était vraiment le délire du clip donc faire des plans un petit peu plus larges et même sur les gros plans je suis au 10 mm. En gros, c'est vraiment un clip où ça fait comme un freestyle. Et ensuite, donc j'ai rajouté pas mal de plans que j'avais déjà et des plans que j'ai pu récupérer sur des sites donc libres de droit. Donc en gros, là-dessus, tu vas pouvoir toi aussi pouvoir faire certains playbacks et après, comme ça, tu vas pouvoir rajouter des inserts. J'étais obligé vu qu'on avait un laps de temps qui était un petit peu court, donc c'était le seul moyen de pouvoir faire ça. Ensuite, au niveau du matériel de lumière, donc j'avais mes deux LED sur batterie, donc les batteries Velox, un stroboscope, une machine à fumer et deux néons. Donc en fait, ce qui est assez intéressant ici, c'est que justement les lieux, je peux me brancher directement voilà, sur une prise électrique ici avec un enrouleur. Mais si toi, tu dois faire la même chose, tu auras besoin donc d'un groupe électrogène, forcément, et ou alors de pouvoir se brancher rapidement. Mais tu verras que ça va pas changer grand-chose à partir du moment où tu as un groupe électrogène ou une batterie pour pouvoir te brancher. Si tu fais la même chose sur un parking à côté de chez toi et que tu utilises 3 lieux au même endroit, tu verras que tu vas pouvoir te brancher assez facilement. Alors comme je t'ai dit au début, j'ai monté donc le clip en 2 heures. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que tu peux commencer à faire la moitié du clip en 1 heure et ensuite faire une V1 donc 1 heure après, donc ça fait à peu près 2 heures. Et après, tu vas voir si vraiment tu le fais le mieux possible et le plus rapidement possible, tu auras très peu de modifs. Si au pire tu dois calculer les modifs dans le timing, tu en auras peut-être pour 20 minutes, une demi-heure à tout casser. En tout cas, là j'avais très très peu de modifs. Et donc du coup, ça veut dire que je l'ai monté en 2 heures. Donc en gros, j'ai monté le clip en 2 heures, je l'ai tourné en 1 heure et demie et je laisse encore une petite demi-heure de marge pour pouvoir faire 4 heures. Et donc ça va être à peu près justement sur un seul plan qu'il y a dans ce clip-là, qui est juste à l'extérieur de cet endroit-là, du côté de la mer, puisque c'est pas très loin. Et aussi par rapport aux modifs, donc ça fait à peu près
une demi-heure. Donc c'est pour ça que je te dis que ce clip-là, il a été tourné et monté en 4 heures. Au niveau des accessoires, sur ce clip-là, j'ai utilisé très très peu d'accessoires puisque j'ai utilisé un seul accessoire. C'était donc des chaînes, donc des grosses chaînes que j'ai ici. J'en ai quand même plusieurs. Donc c'est juste vraiment pour faire un plan à un moment donné avec des chaînes. On l'a prévu plus ou moins puisque une demi-heure avant le clip, j'ai regardé un petit peu ce que j'avais comme accessoire et je me suis dit, tiens, on va faire un petit plan avec deux chaînes, ça peut être pas mal. Après, c'est l'artiste qui va jouer un petit peu avec. C'est un peu à lui de le laisser faire ce qu'il veut avec les accessoires que tu as. Mais tu peux en utiliser d'autres, évidemment. Plus tu vas avoir d'accessoires et plus tu pourras avoir de la matière pour tourner. En tout cas, moi, sur celui-là, j'ai utilisé que ces chaînes-là. Alors, pourquoi je te parle de ce clip-là? Bah, en fait, je voudrais te parler de ce clip parce que toi qui débutes, par exemple, ou même qui as un niveau un petit peu confirmé, qui a l'habitude de tourner, en fait, je voudrais te parler de ce clip-là pour que tu puisses prendre l'habitude, en général, de tourner rapidement. Alors, tourner rapidement, c'est bien. Par contre, il va falloir quand même être concentré. Donc, ce n'est pas juste tourner rapidement, je fais des plans un petit peu de partout, n'importe comment. C'est essayer d'être rapide à ton tournage. Donc, en général, vaut mieux que ce soit toi qui sois plus dynamique que les artistes et que les gens qui sont sur le tournage. Donc, vraiment, tu dois te mettre en condition pour ça. D'ailleurs, c'est une petite astuce si tu veux un petit peu avant. Bon, ce n'est pas une astuce de ouf, mais en tout cas, c'est pour te dire qu'à la limite, si tu sais que tu vas faire un tournage, ne mange pas avant, mange très peu. À la limite, bois juste un café, un thé, peu importe. Et mange peu. Par contre, bois au maximum, comme ça, tu n'auras pas trop de digestion. Évidemment, aussi, essaie de bien dormir la veille. Comme ça, quand tu es sur ton tournage, tu n'as pas beaucoup de digestion et tu auras de l'énergie et ça te permettra d'être concentré. Donc, en gros, si tu pars du principe où tu es concentré et que tu es rapide et que c'est toi qui gères un petit peu le tournage, tu vas voir que tu vas être dans une dynamique. Et donc, du coup, bah, concrètement, ça va te permettre, toi, de t'entraîner à faire ça. Donc, c'est pour ça que je te parle de ce tournage-là. Et donc partir du principe que même si tu as beaucoup de temps dans ton tournage, essaye de faire comme si tu n'avais pas beaucoup de temps et qu'il fallait aller vite. Il va avoir un avantage en faisant comme ça. Déjà d'une, tu vas être dynamique et les gens vont le voir en face. Donc ils vont voir que tu t'en fous pas et que tu es vraiment dans le tournage. Ensuite, toi, ça va te permettre un maximum de prendre beaucoup de plans à droite à gauche. Donc par exemple, si tu fais un clip freestyle et tu es dynamique, ça va te permettre dans un court timing de pouvoir rentrer plein d'inserts et avoir de la matière. Parce que c'est vraiment assez important quand même. D'ailleurs, quand tu fais tes plans, pense quand même montage, puisque ça veut dire qu'à chaque fois que tu es en train de faire ton plan, tu te dis OK, en même temps que tu fais ton plan, dans ta tête, il faut que tu te dises où c'est que je vais incorporer cet insert-là ou là dans le montage. Donc pense vraiment à filmer utile, puisque quand tu vas filmer, tu vas penser montage. Donc tournage en étant rapide, même si tu as du temps, pars toujours du principe qu'il faut que tu tournes quand même et que tu aies un petit peu de la matière. Et donc le fait d'être speed, même si tu as beaucoup de temps, tu vas voir que tu vas rentrer beaucoup plus de plans. De toute façon, quoi qu'il arrive, ça va t'entraîner même quand tu vas avoir un clip qui va arriver du jour au lendemain ou alors d'une minute à l'autre et qu'il n'y aura pas beaucoup de temps pour pouvoir enchaîner des plans. Donc ça veut dire que toi, tu es déjà en condition pour, puisque tu te seras entraîné. Et donc les jours où tu auras des clips où ça va durer une journée, même si tu vas vite, tu vas voir que tu vas faire le double des plans. Donc ça va être bien pour ça, pour avoir de la matière. Alors après, évidemment, il ne faut pas filmer pour filmer n'importe comment, puisque sinon, après, ça va être le sens inverse. Tu vas te retrouver avec trop de matière et en fait, il ne va pas avoir vraiment de fil conducteur. Puisque du coup, tu vas te retrouver avec un clip qui a ni queue ni tête, tu vas passer d'un lieu à un autre qui n'a pas de rapport. Donc fais attention aussi à ça, c'est pour ça que je te dis de filmer utile et quand tu fais tes plans, pense montage. Une autre chose aussi de pourquoi je te décortique ce clip-là et que je voudrais t'expliquer et te montrer des choses, c'est qu'en fait, l'intérêt de pouvoir tourner rapidement, parce que peut-être qu'il y en a qui vont se demander, mais ça sert à quoi d'aller vite? C'est en fait l'intérêt par rapport au budget que tu vas avoir. En général, comme quand tu vas débuter ou même quand tu as l'habitude de commencer à tourner des clips, il y a souvent des budgets qui sont bas. Alors, tout va dépendre comment toi, tu t'organises. Les budgets qui sont bas, si tu prends trop de temps, ça ne va pas être intéressant. Par contre, les budgets qui sont bas, tout dépend le chiffre, évidemment, hein, ça veut tout rien dire. Mais ce que je veux te dire, c'est qu'en gros, le fait de tourner vite, si tu as des budgets qui sont bas, ça veut dire que tu vas pouvoir commencer à être un petit peu rentable. Imaginons, tu as un clip, par exemple, à 500 euros. Voilà, donc je sais qu'il y a beaucoup de clippers qui ont ces tarifs-là, même un petit peu plus bas, bah, si tu le tournes forcément en 4 heures, tourné et monté, bah, tu seras rentable puisque ça va faire plus que 100 euros de l'heure. Ce n'est pas tout le monde qui gagne 100 euros de l'heure. Si tu calcules en général pour les gens qui travaillent ou autres, alors après, ce n'est pas vraiment l'exemple à prendre, mais en tout cas, la plupart des gens, quand ils travaillent, ils vont avoir entre 8 et 20 euros net par heure. Donc toi, du coup, si tu arrives à tourner ça rapidement en 4 heures sur un budget à 500 euros, ça fait plus que 100 euros de l'heure. Pour prendre un exemple, comme je te disais, avec un clip, par exemple, avec un budget de 500 euros, ça veut dire que concrètement, il va falloir que tu fasses 2 heures de tournage, ok? Et 2 heures, d'accord? On va dire 2 heures de montage, ok? Après, il y aura peut-être une demi-heure
de modif ou autre. En tout cas, pour rentrer, pour pouvoir faire aller à peu près entre 4 heures et 5 heures, mais on va dire 4 heures, ok? Ça veut dire que donc tu es à 500 divisé par 4. Donc il te reste 125, ça fait 125 euros de l'heure. Et si tu veux prendre un petit peu plus, une heure en plus, que ce soit sur les modifs ou sur ton tournage, par exemple faire 2h30 et 2h30, ben en fait tu seras quand même à 100 euros de l'heure quoi qu'il arrive. Et si vraiment tu vas plus loin et tu veux aller donc à 6 heures, ça veut dire que tu es quand même gagnant puisque tu fais 500 divisé par 6 et tu gagnes quand même 83 euros de l'heure, donc c'est pas rien. Donc voilà, tu vois un petit peu comment je vais en venir. Alors je sais que la plupart des clipmakers, ils n'ont pas l'habitude de monter des clips en 2 heures. Tu vas me dire, ouais, mais t'es bien gentil mon gars, mais toi tu montes en 2 heures, mais nous on n'arrive pas à monter en 2 heures. Justement, le but va être de prendre l'habitude de monter vite. Dans une de mes formations, je te montre justement cette timeline et je te montre un petit peu comment tu vas faire pour t'organiser pour monter vite. Il va vraiment falloir que toi tu sois dans cette démarche-là de monter vite. Alors évidemment, quand tu vas débuter, ça va être un petit peu difficile au départ. Il va falloir avoir des mécanismes et t'entraîner. Mais tu vas voir qu'au fur et à mesure que tu vas monter des clips, tu vas aller de plus en plus vite. Il y a une chose aussi qui arrive souvent, c'est que pour ceux qui sont un petit peu trop perfectionnistes, ils vont perdre du temps sur des effets, sur des petites choses qui servent à rien, alors qu'en fait, il faut les penser à l'avance, ça. Et quand tu arrives sur ton montage, tu sais exactement ce que tu vas faire. C'est comme ça que tu vas aller beaucoup plus rapidement. C'est pour ça que je te montre ma timeline justement dans cette formation. Il y en aura plusieurs d'ailleurs. Mais en tout cas, il faut vraiment se mettre en tête ça. Pareil pour le tournage. Donc ça encore, c'est la même chose. Un clipmaker qui débute ou bien quelqu'un qui est déjà dedans, il va se poser la question, il va se dire comment tu vas faire pour faire un tournage en 1h30? C'est quand même chaud. C'est ce qu'on pense. Mais même moi, j'ai été étonné quand j'ai tourné justement ce clip-là. À partir du moment où les artistes sont là et que tu comptes 1h30, tu auras tout rentré. Si vraiment tu t'es organisé à avoir des lieux qui sont les uns à côté des autres et que tu sais rapidement déplacer tes lumières et que tu arrives à faire des ambiances très rapidement en changeant les lumières de côté ou autre, tu vas voir que tu vas être étonné, tu vas te retrouver avec pas mal de plans qui n'ont rien à voir les uns des autres et pourtant tu aurais été au même endroit selon l'angle que tu vas prendre, selon plein de choses. En tout cas, si tu fais ça rapidement, et que les gens qui sont là, s'il n'y a pas trop de gens et qui sont concentrés, tu vas voir que ça va aller très vite. En 1h30, tu peux tourner vraiment pas mal de choses. Alors si tu fais un clip une journée de cette manière-là et que tu as toute la journée pour tourner et que tu pars sur une dynamique comme ça où tu vas être rapide, tu t'imagines bien qu'au bout de 6 heures ou 7 heures de tournage, tu vas avoir un maximum de plans. Donc vraiment, c'est quelque chose que je te dis, moi, qu'il faudrait que tu t'entraînes et tu vas voir que tu vas vraiment t'y retrouver de cette manière-là. Je sais que ce n'est pas facile au départ. Je sais qu'il va avoir souvent des choses qui vont arriver en face qui vont faire que ça ne va pas se passer comme ça. Mais tu vas voir que si tu es avec des gens qui sont sérieux et que tu as l'habitude de tourner, tu peux te permettre de tester ça et tu vas voir que tu vas aller assez vite. Bon, du coup, maintenant, on va aller sur l'ordi juste derrière pour que je puisse te décortiquer ce clip-là. Donc, je vais te montrer directement. On va regarder un petit peu le clip. Je vais un petit peu t'analyser les plans. Je vais te dire comment j'ai fait. Du coup, là, dès le début, tu vois, j'ai mis une insert que j'avais il y a longtemps. J'avais filmé en temps gris. C'est ce plan-là que je te dis justement que j'ai fait. Donc, on a pris une demi-heure puisque c'est pas très loin de chez moi donc pour le faire. Donc en gros, voilà le petit plan juste extérieur. Mais après, tout le reste, ça va être ici. Donc du coup, là, on va avoir forcément la partie avec les néons, comme je te disais. Juste là. Là, c'est l'autre partie avec le panneau publicitaire, avec les deux néons. D'accord? Ensuite, là, toutes les inserts qu'il y a, c'est des inserts que j'avais déjà. Donc c'est pour ça que je te dis toujours qu'il faut filmer des inserts pendant que tu fais un repérage. C'est important, comme ça tu vas stocker des plans pour les prochains clips. Et plus tu vas en avoir, et mieux ça va être. D'accord? Donc tu vois, depuis tout à l'heure, c'est les deux mêmes lieux. Là, pareil, des inserts. Ok. Et là, donc la partie ici, donc 10 mm ici en rouge que j'ai utilisé donc de près. Hein. Donc on a l'impression que c'est un peu un 50 mm, mais en fait, c'est mon 10 mm. Donc un autre style de lumière, donc ici en rouge. Et là, ici en vert et rouge, forcément, un petit peu de machine à fumer. Mais tu vois qu'on est toujours un petit peu dans les mêmes lieux. Ça fait déjà depuis tout à l'heure qu'on est que sur deux lieux. Et là, enfin, la partie ici avec les chaînes, qui est juste là. Là, voilà. Là, c'est le même endroit, mais juste filmé encore d'une autre manière. Et après, toutes les inserts qui sont dedans. Donc, toutes les inserts qui sont dedans, c'est des inserts que j'avais déjà. Et donc, que j'ai incorporé dans ce clip directement. Donc tu vois, voilà, en gros, pour te montrer, tu peux vraiment créer quelque chose, tu peux créer un univers dark alors que en fait j'ai tourné trois playbacks différents et après tu vas essayer de construire quelque chose avec les inserts que tu as. Voilà, donc j'espère que tu as kiffé cette vidéo. C'était pour pouvoir te montrer comment je fais pour faire un clip en 4 heures, donc tourner et monter. N'oublie pas de regarder les vidéos juste en dessous, tu verras qu'il y a vraiment pas mal de vidéos si tu débutes en tant que clipmaker. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne si tu veux pas rater les prochaines vidéos.
Et donc, je te dis à bientôt.